Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, première vidéo de l'année de run, première vidéo dans la neige. Et il fait, regardez-moi ça le vent, la neige elle va comme ça. Il fait super froid. Est-ce que ça filme au moins? C'est bon, ça filme. C'est super froid. Et en plus avec le vent, c'est encore pire. Donc on va essayer bien se protéger. Hein. Vache. On a amené le Savage en 6S. Ça va convenir. Hein. On va voir comment il se débrouille dans la neige. J'ai mis les gros crampons Arma. Ouais, je peux vous dire qu'ils peinent un peu quand même. Ouais, j'étais. Accélération, ça nous connaît accélération. Vous êtes prêts? Ah, c'est génial. Je vais vous dire que je vais vider mes lipos en 2-2 là. Là, je suis plein gaz. Ah, ça saute quand même. Ça saute quand même. Un petit tour d'un poudreusin, on a mis les gros crampons des boots backflip. Regardez-moi ça. Mine de rien, ça pèle bien. Parce qu'on a, j'ai essayé. Ça va, on est bien à l'abri avec les armes, enfin un peu plus. J'ai essayé avec les pneus du Karoq dans mon jardin. Il avait quand même un peu de mal. Là, ça pèle mieux. Mine de rien, ça va, ça envoie quand même. Bon, là, on arrive dans la partie neige. Je crois qu'on va se restreindre à cet endroit-là. On a que 5 à 6 cm de neige et pourtant il galère quand même. Ah bah tiens. Même avec, heureusement qu'il y a 10 centrales quand même. Parce que sinon ça se lèverait et encore. Ah on est presque coincé. Non, moi je bouge pas moi. J'ai super froid. Faut pas oublier qu'avec toute la neige après il va poser une blinde. Ah, je suis plein gaz. Il avance pas. En plus il tourne pas d'un côté, à chaque fois il y a une neige qui se bloque. Regardez. Il tourne quasiment plus. On va faire un truc. On va. Ok là. Vous voyez pas, regardez. Là, il y a de la neige dans les jambes, regardez, qui bloque contre l'étrier. Du coup, ça tombe encore moins. Là, on a moyen de s'amuser vu qu'on a un peu libéré de la neige et il y a moins de neige à cet endroit-là. Heureusement qu'il y a le Savage qui marche, parce qu'en buggy, on me dit que ça marcherait pas des masses. Je suis impressionné quand même. La vitesse à laquelle il va même dans la neige. Hein. Là je sens moins de puissance. Hein. Je crois qu'on arrive déjà à la fin du pack. Toutes les lipos elles sont froides donc. C'est pas bon pour les lipos la fraîcheur. Ça tournait déjà plus. Il y a vraiment un côté qui se bloque facilement que l'autre. C'est dingue. On va refaire ça. C'est aussi parce que d'origine il tourne pas des masses. Donc, hein. J'ai envie de voir en vitesse pure qu'est-ce que ça donne dans l'endroit où il y a plein de vent. Regardez-moi ça comme c'est blanc. La neige a commencé ce matin. Et ça a déjà commencé à se réchauffer cet après-midi. La neige là c'est venu d'un coup. Hier il y avait de la pluie, il fait 6 degrés. Là il fait 0 degré, enfin moins de 0 degré. Ça va la neige, ça se débrouille quand même. Et par où je suis pour être assez sage. Bah, je suis déjà en coup. Attends, j'ai changé le varateur, j'ai mis le. Déjà en coupure. On va redébrancher et rebrancher. Ah punaise, il y a de la neige partout. Allez. Ah, vache.
c'est bon. Là, si on retombe à la coupure, je vais rentrer. Hein. Ah bah tiens. Ah des fois il merde, il fait que ça. Ah bah c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va rentrer hein, parce que là, vache, ça fait combien de temps que ça tourne? Ça fait que 5 minutes. Bon bah c'est la fin du run déjà. ça consomme bien la neige. Vous voyez? Et encore les pots c'est des 5000. Bon bah hein, salut les gars!